Yop, tout le monde, c'est Melarset, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone pour s'ouvrir les dernières pochettes que j'ai dans ma petite boîte ici. Donc il m'en reste 5. Donc, il est actuellement 23h bientôt. Bah, j'ai regardé le match de Lens-Lyon ce soir. Lens qui a gagné 1-0 sur un penalty. Bon, c'est pas très intéressant. Mais du coup, j'ai encore 5 petites pochettes. Il y a mon frère qui dort à côté. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit, il va pas trop m'entendre. Mais voilà. Hier, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, ben, j'avais eu Griezmann doublon, j'avais eu Mané, je crois. J'avais eu des petits joueurs à droite à gauche, donc voilà. Donc là, on va s'ouvrir encore une fois le petit paquet. On va se commencer avec un brillant à l'arrière. Donc le code, je le garde. Qui a un brillant à l'arrière déjà, donc pour le premier, c'est parfait. On se commence du coup avec un Boulaïdia. C'est le joueur qui est passé par. Par Villarreal du coup, qui a changé de club, je sais plus où il allait, je crois que c'est lui. Hein. Le deuxième, un petit anglais, Anderson, c'est pas mal. Putain, il y a un reflet. On le voit en double gars, quoi. Bref. Anderson. On enchaîne avec un gardien. Gagnant. Well, attends, je vais voir si j'éteins la lumière, peut-être. Ouais, si j'éteins la lumière, on voit plus rien, mais. Peut-être la mettre un peu moins forte, comme ça, on va voir. Ah, il y a toujours le reflet. Vous voyez, quand je vous montre, et ben en fait, on voit la télé. Ah, mais c'est la télé qu'on voit en fait. Faut que j'étais à ma télé limite. C'est la télé qu'on voit. Bref, j'ai eu un portugais. Ben, João Félix. Les portugais, j'en chope pas souvent. Du coup, mais voilà. On enchaîne du coup avec un belge, Kevin De Bruyne. Ben, ça fait plaisir, je l'ai pas. Petit Kevin De Bruyne, on enchaîne du coup sur un écuisson de la Croatie que j'ai déjà, du coup, super, premier doublon du coup. Donc voilà, on enchaîne du coup sur les deux dernières cartes avec un portugais encore, Ruben Dias, c'est encore un doublon je crois. Et pour se finir du coup, un brillant c'est un gardien, j'ai peur que je l'ai déjà. Ok, je l'ai pas normalement. Diogo Costa. Un Rocky en Portugal. Ben voilà. Je reçois jamais de Portugais et là j'en ai eu trois quoi. Un en corps, un en carte 2 étoiles et un en Rocky donc c'est pas mal. On enchaîne directement avec le deuxième paquet. Là les gars je suis dans ma chambre actuellement. Les quatre dernières vidéos je les avais fait dans mon salon. Mais là je suis dans ma chambre posée tranquillement. Je crois qu'il n'y a pas de brillant sur celui-là. Donc pas de brillant sur celui-là. Donc probablement des cartes blanches, 2 étoiles, peut-être dans la collection. Donc argenté encore une fois avec un Molina, je crois que je ne l'ai pas. On enchaîne directement avec un deuxième défenseur. Ok, avec Altas. Ce pays-là, vous voyez pas, mais écrit EAE. UAE, pardon. Je crois qu'il m'en manque un ou deux. Et je crois que lui, je l'ai pas, dans le doute, mais je crois que je l'ai pas, donc c'est parfait. Anglais, merde, attaquant, je voulais dire. Tunisien, avec le petit Saïm Sliti, ça c'est pas mal, je l'ai pas. Donc là, ça va, j'ai pas trop de doubles pour le moment. Arabie Saoudite, Al-Shanan, je crois que je l'ai déjà. Attends, je vais essayer de les mettre par pays. Tac, 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 devant ma gueule. Pour l'instant, j'ai un par pays, donc ça m'arrange pas trop en vrai. Parce que du coup, je saurais pas où mettre mes cartes comme d'hab. Donc c'est un peu chiant. On enchaîne avec le milieu de terrain. Danois Delaney. Le petit Danois Delaney, si vous connaissez le joueur de Séville. On enchaîne avec une carte brillante française. Ok, avec un Paul Pogba en fan favorite. Donc c'est vrai qu'il y a ces cartes-là aussi en une étoile, les fans favorites. Avec un petit écuisson ici, avec le Uruguay. L'écuisson de l'Uruguay, c'est pas mal du tout. Et pour se finir, un attaquant. Ferran Torres, je crois, que j'ai déjà, du coup, doublant encore. Ah, les cartes comme ça, là, les blanches comme ça, je les aime pas parce qu'en fait, il y a souvent les mêmes qui tombent. Donc, les power, du coup. C'est dommage parce qu'ils tombent tout le temps les mêmes. Même les fans favorites, hein, ils tombent tout le temps les mêmes. Bon là, j'ai Pogba que j'ai pas encore eu, je crois, donc ça va. Mais en vrai, c'est souvent les mêmes qui tombent, du coup, c'est assez chiant. D'ailleurs, pour les codes comme ça,
comme ça là. Je les garde sur téléphone. J'ai vu Cristiano Ronaldo, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière photo. Donc voilà. On commence avec un Gallois. J'ai une carte brillante à la fin. Joe Allen, je l'ai pas. Ça c'est parfait. Le petit Joe Allen, Gallois. On enchaîne avec un gardien directement. Polonais. Donc ça va être le petit. Non, merde, c'est néerlandais. Le petit Bichelow. Donc là, je l'ai pas. J'ai vraiment un mec par pays, quoi. C'est ouf. Ça fait plaisir. On enchaîne directement avec un défenseur sénégalais. Abdou Diallo. Donc je l'ai déjà, je crois. On enchaîne directement avec un milieu de terrain tunisien, encore une fois. Avec un petit Aïssa Leïdouli. Neydouli, ou je sais pas quoi. Je sais pas comment on dit, les gars. Désolé pour la prononciation de ce joueur. Défenseur allemand. Gossen. Ils l'ont mis en défenseur, Gossen. Ok. C'est un milieu normalement. Ok, on enchaîne avec un attaquant camerounais qui s'appelle Vincent Aboubakar. Le petit, lui je l'ai pas en fan. Du coup là les deux fans favoris je les ai pas donc ça fait plaisir. On enchaîne avec un attaquant pérou-mexicain. Lozano, lui je crois que je l'ai pas. Ouais j'ai bégayé entre mexicain et péruvien parce qu'en fait si vous voyez vu qu'il n'y a pas la lumière on voit pas vraiment. Donc on peut croire au Mexique, enfin à l'autre du coup. Et on se finit avec un game changer, je crois, attaquant. Sadio Mané encore. Aïe aïe aïe, doublon du coup. Après le Griezmann doublon, on a le Sadio Mané doublon, les gars. Ok. On enchaîne. Du coup, ça me fait des doubles encore en game changer et tout. Pour vous, pourquoi pas. Ça peut être sympa si vous voulez faire des échanges. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, encore une fois, je le redis. Défenseur, on est avec Équator ici, avec le petit Pedradia, je crois que je l'ai vu hier, celui-là aussi. On enchaîne avec un gardien argentin, je l'ai pas, je crois. Le petit Martinez, du coup, parfait. On enchaîne avec un milieu de terrain écossais, McTominay, ben, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ça, sur ma version mobile, je crois que McTominay, c'est le seul qui me manque en plus. C'est peut-être dans le classeur, je sais pas. Mexicain, on enchaîne avec un petit Hector Herrera, j'aime bien lui en Mexique, c'est un joueur que j'aime bien dans la vraie vie en Mexicain. On enchaîne avec un attaquant Ukraine, pardon, Yarenchuk, je crois que je l'ai pas, donc c'est parfait. On enchaîne avec un défenseur, encore une fois, gagnant, c'est pas du tout un défenseur, ah si c'est un défenseur, donc c'est Abdou Barman. Baba, ok, original son nom. Donc là, ça fait plaisir parce que les fans favoris, j'en ai aucun. Donc ça fait plaisir. On s'enchaîne avec un petit truc contender fan en team Pérou ici. Ok, c'est pas mal. Donc voilà, Pérou, Pérou, Pérou. Et on se finit avec une petite carte emblème. Ainsi, Uruguay aussi. Avec un Godin ici. Pourquoi pas. Du coup, là, c'est Pérou. Pérou, Pérou, Pérou. J'ai pas eu un joueur péruvien avant que je les mette avec. J'ai pas eu de péruvien apparemment. Ok. Et on s'enchaîne déjà sur le dernier. Du coup, c'est allé assez vite en vrai. Hein. J'essaye d'aller un peu plus vite et tout. Parce qu'on m'a pas envoyé de commentaires sur ma lenteur ou pas. Donc, est-ce qu'il y a un brillant sur cela? Oui. Il y a un brillant. Il y a un brillant, les potes. Donc, j'ai pas vu c'est qui, hein, mais c'est un brillant. Bref. Défenseur belge, Denayer, par contre, j'ai bégayé. Défenseur central belge, du coup, là j'ai eu deux belges que j'ai pas. Ça fait plaisir. On enchaîne avec un milieu de terrain mexicain, encore une fois, avec le petit Alvarez de l'Ajax. Du coup, ça fait plaisir. Je l'ai pas. Défenseur japonais, ou ça fait plaisir. Le petit Yaman, je crois pas que je l'ai. Ça fait plaisir. Pour l'instant, j'ai très peu de doublons hein, sur cet opening là. Ça c'est quoi? C'est Canada je crois. Ouais, avec le petit Jonathan David. Pas mal du tout ça. On s'enchaîne avec les quatre dernières cartes déjà. Ça va vite. Gardien. Arabie Saoudite. Je connais pas du tout. El Oussaou. Oussas. Oussaou. Oussaous. Je sais pas comment on dit les cas. Désolé encore une fois. Et après on enchaîne avec un milieu de terrain allemand. Kimmich, je l'ai pas, ça fait plaisir. Putain, les 4 fans favorites, j'avais pas. Donc ça fait plaisir. Défenseur
Croate Lovren, que j'ai déjà. Ok. Et après, pour se finir, la carte brillante. J'espère que je l'ai pas. C'est encore un gardien. Simone. Putain, je l'ai déjà. Putain, mais c'est tout le temps le même qui tombe. Du coup, un petit récap de ce que j'ai eu dans cet opening parce que j'ai ouvert les 5. Du coup, les deux brillantes, 4 étoiles. 3 étoiles, pardon, en gold. Game changer, Mané. Et en top skipper, Simone, que j'ai déjà. Ça fait chier. Donc, ça, c'est en carte 3 étoiles. J'ai eu une carte 4 étoiles aussi. Le petit rookie Diego Carlo Costa, pardon. J'ai bégayé, désolé. Après, qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu du 2 étoiles ici, pourquoi pas. Avec un petit Lovren Godin Ruben Dias en défenseur. En magicien, le petit Lozano. Et en attaquant, Ferran Torres. Donc, je vous montre là les 5. 5 cartes blanches, 2 étoiles. Donc voilà. Au niveau de la rareté, ça donne ça. Et puis après, on a eu des fans favorites aussi en une étoile. Donc on a eu Kimmich, Baba, Aboubakar et Pogba. Donc Pogba le plus intéressant des 4. Hein. Donc on a eu ces 4-là qui sont assez sympas aussi. Puis après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre en carte basique? Honnêtement, on a eu qui? On a eu un petit Anderson qui est connu. Le petit Joao Félix qui est connu. Denayer, De Bruyne en Belgique qui sont connus. Le petit Gosson qui est connu hein, sur FIFA. Le petit Martinez, le gardien, pas mal connu aussi. Après, dans le reste, on a eu qui d'intéressant? Abdou Diallo en défenseur, pourquoi pas. Le petit Alvarez et Herrera qui sont sympas aussi au Mexique. Et après, le reste, c'est pas fifou. Le petit Jonathan David aussi, hein, bien sûr. Mais sinon, on n'a pas eu grand-chose d'intéressant. Mais en carte brillante, j'en ai eu quand même eu 3. Donc 1 sur 2 à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais. À chaque fois, j'arrive à faire 1 sur 2, un brillant, un pas brillant, un brillant, un pas brillant. Alors que c'est aléatoire, hein, parce que la boîte, ben, je l'ai fini tôt, quoi. Donc voilà, c'est aléatoire, mais j'ai quand même réussi à avoir des trucs assez fréquents. Chaque fois. Merde, j'ai éteint la lumière, désolé les gars. Comme je vous ai dit, je suis en mode chill dans ma chambre, donc voilà. Donc voilà, je vais finir la vidéo sur ça. J'espère qu'elle vous a plu, encore une fois. Hein. À chaque fois, je suis en détente, hein. Je pose mon tel, j'ouvre mon truc et je vous montre. Tu vois, je suis en full détente, je me prends pas la tête hein, pour mes openings. Peut-être qu'un jour, je le ferai un peu plus professionnel. Je mettrai une caméra en mode vraiment bien. Je serai debout et tout. Pourquoi pas avec un petit décor derrière. Pourquoi pas? Parce que là, vous voyez juste un mur, quoi. Donc bon, c'est pas ouf. Mais pourquoi pas, tu vois, ça serait un peu plus regardable. Parce que là, c'est vraiment en mode bas les couilles. Mais bon, en même temps, je vous montre juste des cartes comme ça en mode bas les couilles. Ça coûte 25 centimes la carte. Parce qu'il y en a 8 dans le paquet, ça coûte 2 euros. Donc voilà, c'est 25 centimes une carte à la con comme ça. Donc voilà. Bref. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît hein, pour que j'en fais d'autres la semaine prochaine. J'en achète à chaque fois un petit paquet sur internet ou directement dans un magasin, j'achète ça. Si vous êtes chaud, j'en continue. Hein. Moi ça me va. Le temps que j'ai pas fini, de toute façon la collection, je pense que je vais continuer à ouvrir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Mettez le petit like, le petit commentaire, à vous abonner pour continuer un peu. Et puis sinon, voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le serveur Discord si vous voulez faire des petits échanges ou parler de FIFA ou de Fortnite, peu importe. Et me dire ce que je peux faire comme contenu autre que la collection là. Hein. Je peux faire d'autres collections, hein. Par exemple sur d'autres catégories, le basket ou les trucs comme ça. Pourquoi pas hein, me lancer plus tard dans la suite ou même sur Pokémon, peu importe. Peut-être pas Pokémon parce que je suis pas fan, mais j'aime bien faire les délires de collection, j'aime bien. Pourquoi pas faire la collection de cartes de catch aussi? Ça peut être intéressant aussi. J'aime bien le catch, pour ceux qui savent, bon, pourquoi pas. Bref, je laisse ça dessus, je vais pas vous saouler plus que ça. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!